descendez, stop, top, 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 restez là les enfants, bougez plus. On va faire la photo maintenant avec l'église derrière pendant qu'on est dans l'ambiance. Voilà. Alors, Béatrice et Philippe, le mariage, super, hein, vraiment un beau mariage. Hein. Ah, si, puis alors, question émotion. Moi, c'est simple, j'ai chialé pendant une heure. Ah oui, un beau mariage. Non, arrêtez les gosses avec le rire. Arrête, Jérôme, arrête. Je crois que tout le monde en a eu du rire. Maintenant, tu arrêtes, Jérôme, s'il te plaît. Hein. Bon, non, 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 non. Vous êtes gentils, les enfants, descendez pas plus. On fait la photo maintenant. Ah, il y a encore des gens dans l'église. Ah ben, vous leur dites qu'on peut pas. Hein. Moi, déjà, j'aurais pas tout le temps. Hein. Bon, Françoise. 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 Pourquoi? Il y a des gens importants dans l'église? Hein? Mamie? Ah oui, mamie, c'est important, mamie, oui. Bon, ben, à ce moment-là, glissez-la par au-dessus, mamie, alors. Glissez-la par au-dessus, hein. Bon, Françoise. Françoise. Oh, Françoise. Françoise, tu feras penser que la pellicule dans l'appareil, c'est la pellicule des vacances en Espagne, hein, Françoise, hein? Si, tu me fais penser, je te dis. Si, Françoise, le zoo de Madrid, Françoise. Souviens pas les phoques et les dauphins dans la piscine qui attrapaient les trucs, Françoise? Ben, ça fait rien, laisse tomber, Françoise. Je me souviendrai, merci. Hein. Bon, oh là là, doucement avec mamie, là, doucement. Hein. Et c'est un vieux modèle, mamie, hein. Elle est 1904, alors il faut faire attention. Non, mamie, je disais pour plaisanter, je disais mamie est un vieux modèle. C'est le bordel, vous voyez, elle n'entend plus rien de ce qu'on lui dit. Bon, alors arrête Jérôme avec le riz, je te promets, t'es chiant. Jérôme, arrête. Alors bougez pas, j'ai regardé. Alors, voyons voir. Eh ben là, on est pas mal là. Tata Lisette, vous avez un chapeau, Tata Lisette, qui est superbe, oui, mais qui est surtout énorme, Tata Lisette. Hein. Eh ben oui, il cache au moins 3 ou 4 personnes derrière vous, hein. Comme ça aussi, et comme ça aussi, c'est ça, faut le retirer, Tata Lisette, un peu chiante aussi celle-là, alors, bon, j'ai regardé la distance, alors, 1, 2, 3, non, arrête Jérôme avec le rire, arrête Jérôme, c'est bon, Jérôme, alors, Béatrice, fais voir l'autre profil, Béatrice, tourne vers la tête de l'autre côté, fais voir, ah non, c'est pareil. Philippe, souris, mon vieux, c'est ton mariage, hein. Alors, c'est le moment où jamais, vas-y, souris, Philippe. Non, tu fais une grimace, là, attends, détends-toi, et souris naturellement, vas-y. Bon, d'accord, alors, attends, on va tout reprendre à zéro avec toi. Alors, fais la gueule complètement, Philippe, fais la gueule complètement. Alors, vas-y, commence à sourire doucement, vas-y, stop. Top, on n'aura pas mieux. Regarde, t'es drôlement crispé, hein, Philippe, hein? Arrête, Jérôme, avec le riz, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3, ça, c'est pareil. C'est normal. Hein? Alors, je regarde. Béatrice, et tourne-toi voir complètement, Béatrice. De dos. C'est original, hein? Non, monsieur, je plaisantais. Monsieur, c'est toi la mariée, c'est important qu'on te voit. Oui, bien sûr. Bon, alors... Et regarde, moi je crois ce qui va se passer, les enfants. Moi je crois tout simplement ce qui va se passer. Hein. Moi je crois. Bah arrête, Jérôme, avec le riz, t'es chiant, Jérôme. Arrête. C'est pas vrai. Bon, moi je crois ce qui va se passer, tout simplement, je disais. Je crois ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas en prendre une dans la gueule, Jérôme, si tu continues avec le riz. Alors. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde se sert. C'est quand même pas compliqué, on va pas passer 3 jours là-dessus, non? Alors on se sert, plus vite que ça, allez hop, encore. Pas trop collé, Tony et Bertrand, hein. Ah, ils ratent pas une occasion, ces deux-là, je te le jure, hein. Oui, monsieur le curé? Oui, on se dépêche, il y a un autre mariage qui attend derrière, hein. Bon, Monique? Bah, Monique, tu veux être flou sur la photo ou quoi, Monique? Qu'est-ce que t'as à gesticuler comme ça? T'es là, Monique, au train, les gars. Hein? Oula, Monique, elle est en train de nous faire un malaise, les gars! Les gars, vite, pour Monique, deux qui la tiennent. Merci, c'est bon. Alors, on regarde par ici, on fait la photo, hein. Bon, alors, attention. Là, je crois que j'ai tout le monde. Alors, sourire.
Bon, tenez les Bertrand, vous n'avez qu'à vous rouler une gamelle tout de suite, comme ça on est sûr que ça ne sera pas sur la photo. C'est pas une question de largeur d'esprit, non, c'est le mariage de Béatrice et de Philippe. Eh ben oui, ben ça tire l'œil, ces trucs-là, c'est que je dis. On voit que vous sur la photo, hein. Bon, alors, attention. Allez, tout le monde sourire. Bon, Raymond. Raymond, alors là, je suis un peu étonné, Raymond, excuse-moi. Je suis un peu étonné qu'à 45 ans, ben t'éprouves encore du plaisir à faire des oreilles de lapin à mamie, Raymond. Eh ben oui, venant de toi, ça m'étonne, Raymond. Excuse-moi, lâche que t'as. Parce que je vais te dire, Raymond, encore que les gosses, ils balancent du riz, les gosses, hein. Et vous avez acheté combien de kilos de riz aux gosses? C'est toi, Martine? Martine, quand je vois tes enfants, comment ils gâchent la nourriture, je me demande quelle éducation tu leur donnes, tu vois. Françoise, je me mêle de ce qui me regarde. Si tu as quelque chose à dire, tu attendras qu'on soit à la maison, s'il te plaît. De toute façon, je vais te dire, on va pas tarder à y aller à la maison. Parce que je vais pas rester des heures dans ce mariage de merde, ça tu peux me croire, hein. Oui, ben la belle d'oche a fait la gueule, ben c'est un mariage de merde, hein. Je vais pas inventer, il y a qu'à regarder le tableau. Regarde-moi ça. Heureusement que la mariée est en blanc, c'est le seul repère qu'on aura plus tard pour savoir que c'était pas un enterrement, ce truc-là. Regarde-moi ça, la gueule qu'ils font, hein, ça. Ah, y a le tonton Fernand. Tonton Fernand, il a pioncé pendant une heure sur son missel dans l'église. Il a encore la page 28 qui est calligraphiée sur le... C'est pas possible, tu vois. Bon, Philippe, il y a autre chose, il n'y a pas que le mariage, Philippe. T'as pris un PV avant de venir ou quoi? Eh ben toi, t'as pris un postillon dans la gueule, t'as pris un postillon dans la gueule, et puis c'est tout. T'as qu'à pas te mettre au premier rang. C'est vrai que là, on les prend quand même, hein. Autant là, on les voit passer. Là aussi, on les voit bien. Mais là, on les voit. Studio live, studio. Voilà. Excusez-moi. Restez couverts, les autres, quand même. Alors. Non, mais c'était un mâle, ils piquent pas, les mâles. Ils sont un peu plus gros, mais ils piquent pas. Alors, qu'est-ce que je disais maintenant? Il veut me chier mon spectacle ou quoi? Ouais, je disais, Philippe, excuse-moi, Philippe, t'as vu la gueule que tu fais? Hein? C'est ton mariage, Philippe, dis moi t'es cachant, Philippe. Ah, à peu près la gueule de Philippe, ouais, il est cachant. Bon, le curé, poupouille le curé, hein? Parce que je sais même pas si c'est réglementaire de prendre 5 mariages dans la même après-midi, alors poupouille. Oui, tata Lisette, je suis un peu désagréable, c'est vrai, moi, au départ, je voulais faire une petite photo. Là, tout d'un coup, j'ai l'impression de mettre en scène un péplum. Eh ben, s'ils en ont plein le cul, ceux qui sont dans l'église, ils ont qu'à se barrer par la crypte. De toute façon, c'est un conseil que je leur donne, parce que s'il y a la même ambiance au banquet qu'ici, eh ben, ils ont intérêt à se barrer, tu vois. Voilà, ça y est, la mariée, elle chiale, maintenant. Eh ben, comme ça, elle aura peut-être une gueule potable, au moins. Bon. Alors, on va la faire, la photo, on va la faire. Surtout, vous souriez pas. J'en ai rien à foutre, je suis pas dessus, moi. Bon, alors, attention. Bon, si les deux feux qui voulaient nous faire un break de 3 secondes. Merci. Bonsoir. Clac, ça y est, allez, faites la photo. Voilà ceux qui ont du courage. Viendront la chercher la semaine prochaine. Françoise, tu viens, on se tire. Désolé, on va pas rester plus longtemps, hein. Viens, Françoise, on se tire, je te dis. Quoi, le cadeau? Bah, donne-leur le cadeau, j'en ai un foutre, moi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi, Françoise, le cadeau? Oh! C'est un Polaroid.